Eh bien, bonjour les petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Avatar. Et on va pouvoir continuer notre aventure incroyable avec des gens tout bleus. Coucou un ours, coucou, oups, comment ça va? Du coup, la dernière fois, bon, on avait été enlevé par la RDA. On s'était enfui, il s'est passé 16 ans où on a fait dodo. Et maintenant, eh ben, on fait partie des Sarentu. Un clan donc quasiment éteint parce que a priori on n'est plus que 4. Pas de bêtises. Et bah, du coup, il faut relier avec nos ancêtres pour devenir des Na'vi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu d'exploration et aussi peut-être un petit peu de secondaire. Ça pourrait être pas mal en vrai. Et peut-être fouiller aussi cet endroit. Ça, je crois, c'est les trucs que je peux ramasser, en fait, qu'on voit qui est en surbrillance, là. Ça, là. Grand-père aurait Carrément. adoré ça. Donne. Je prends. Merci. Mieux pour lui Comment ces parler maudits aussi. sous-doutés ont-ils pu faire autant de Ok, tiens, je ravages? prends, je prends, je prends. Je n'en reviens pas. Une sacoche. C'est une quête, quoi. Qui t'a appris à quand? De quoi as-tu besoin? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Tu me donnes des choses ou tu me donnes rien? Parce que moi je veux pas. Tu sais, j'ai pas de monnaie, hein. Ouvre l'œil, mon enfant. Ok, un ours. Bah écoute, repose-toi bien. Du coup, ça c'est pour fabriquer. C'est un petit artisanal, quoi. Je sais pas, on peut pas fabriquer grand-chose, non. Ouais, non, on avait vu, il me semble, je peux pas, j'ai pas les ressources encore pour fabriquer. Et ça, c'est quoi? Donner. Donner. Arbre maison, contribution de clan. Les clans coopèrent pour s'assurer que tout le monde a ce dont il a besoin. Je peux peut-être y contribuer aussi. Je peux apprendre davantage des clans en m'impliquant dans la communauté. Accueillir une contribution pour le clan. Ouais. Je peux donner ça du coup. En donner plusieurs? En donner deux? Allez, on va même en donner trois. En vrai, ça va me donner de la contribution pour le clan. Ok. Et a priori, je ne peux rien donner de plus. Contribution de clan. Le panier de communautaire de chaque clan possède des requêtes spéciales qui vous demandent. Mais c'est pas ça, pas ça. Ça passe beaucoup trop vite. Comment est-ce que vous voulez que je voie, moi? Que je crois que j'ai plus rien à leur donner. Ils m'ont débloqué une coiffure, si je ne trompe pas. Ça. Ok, ça je pense que c'est une sorte d'inventaire où je peux mettre toutes mes conneries dedans. Ouais, genre un coffre illimité pour si j'ai plus de place sur moi. Bon, pour le moment, je pense pas qu'on en ait besoin. Y a d'autres choses à voir ici ou c'est tout bon? On a tout fait, on a tout vu? Tu n'es pas d'ici. Une flèche se doit d'être aiguisée. Mais rien de tel Là, on a un qu'un chemin. regard Ça, c'est affûté. la cuisine, ok. Il y a un étage. On irait bien à l'étage aussi voir. Hein. On va fouiller. Faut fouiller! Les Sarentu racontaient beaucoup d'histoires. Oui, tu en connais sur la volière des Et toi devrait être plus avisé. D'après Parce les que... Sarentu. De nombreuses branches et de nombreuses racines pour un seul arbre. Ok. C'est un vieux proverbe Aranahe. Tu penses sûrement que Kanat est obsédé par ses traditions, mais certaines choses ne doivent pas être oubliées. Prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Tu as manqué cette partie de ta vie, mais Eiwa nous lie tous. La grande mère est partout. Cette connexion doit être entretenue. Partage avec le clan. Fais attention à leurs besoins. Ils le remarqueront et partageront avec toi en retour. Tu verras, tu ne seras plus jamais seul, mon enfant. Tu es enfin chez toi. Ok, partager avec les autres, c'est bien.
Bah, du coup, ça c'était pour valider la quête que je viens de faire. Donc, donner, c'était une quête. Ok. Mais tout occupe toute l'attention. Ah, c'est pas ça que je veux. C'est ma vue incroyable. On va monter un petit peu à l'étage. Fouillons un petit peu quand même ici. Hein. On n'a pas pris le temps de fouiller. C'est important de fouiller. Qu'inspirerait ma musique à ceux qui viennent du ciel ? Y a rien ici. Faut explorer un petit peu tout ça. Ok. Y'a rien du tout ici. En vrai ? Là en face, il y a des trucs. Vous voyez, c'est important d'explorer. Il y a des trucs. Moi, j'aime bien quand il y a des trucs. Ah non, mais ça, c'est une cache. Et ça, c'est quoi ? Et toi est une championne. Nous devrions tous combattre à ses coups. Ah ! On peut refaire complètement notre perso. Mais du coup, j'ai débloqué une nouvelle coiffure, c'est ça ? C'est ça la coiffure que j'ai débloquée ? Ouais, du coup, j'ai une nouvelle coiffure. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est la nouvelle. On met la nouvelle ? Allez, let's go. On met la nouvelle coiffure qu'on a débloquée. Par contre, j'ai aussi des peintures corporelles. Attention. Ouais, on a de la peinture sur le visage. Magnifique. Et on a deux... Oh ! Va pour le blanc. Ou le bleu. Le blanc. Allez. C'est parfait. Bah écoutez. C'est purement cosmétique à mon avis. Hein. Ça nous a rien. Mais on aime bien le cosmétique. C'est important le cosmétique. Je suis inquiète. Et tu devrais... Si l'une des machines volantes de ceux qui viennent du ciel s'écrasait près de ta maison et faisait autant de dégâts, ça ne t'inquiéterait pas ? Je suis toujours là. Et je te demande de ne pas t'inquiéter. Et si quelqu'un a été blessé ? Quand on voit un danger potentiel, on n'espère pas simplement que quelqu'un s'en occupe. C'est à nous de le faire, Neyan. On sait pourquoi cet avion s'est écrasé ? Non, on ne sait pas. Et je conseille à mon éclaireuse de ne pas s'impliquer. Ni elle, ni moi, ni les autres. Pas même toi, Sarento. Calme-toi, Neyan. Je n'ai jamais voulu mettre ta vie en danger. Mais j'ai besoin d'aide là-bas. Je peux t'aider. Ouais, je peux t'aider, moi. Mais je ne veux pas t'attirer d'ennui. Ignore-le. C'est ce que je fais. Leur engin volant s'est écrasé dans la merveille du tisseur, près d'une rivière. On peut commencer par là. Tu ne trouveras rien à Leymoon. Tu perds ton temps. Sarento. Je te conseille de ne pas t'impliquer dans des affaires qui ne te concernent pas. Alors, m'impliquer dans des affaires qui ne me concernent pas, j'ai envie de dire. Bon, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps, non ? Sinon, ce serait pas drôle ! Ok, par là, on a quoi ? Et j'étais dehors, près de la vallée du canal. A priori, je dirais rien. Ton voyage a été... Par des gens qui discutent. Okay, je pense qu'on va pouvoir y aller, non ? On a plutôt bien fait le tour, je crois. J'espère, je pense. Par là, ça me paraît être la sortie. Je pense qu'il y a plusieurs sorties. Et c'est un arbre. Hein. Plusieurs sorties, plusieurs entrées, plusieurs... Il faut plusieurs que passages. Ok, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres quêtes. Et JL, salut, comment ça va ? Non, là-haut, il n'y a plus rien. En tout cas, c'est joli. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Ok. Et bien, si ça va bien, c'est le principal. Nous, j'aimerais bien qu'on aille... à cette fleur-là. Cette fleur, je pense, elle est très importante. J'aimerais bien qu'on y aille. On peut mettre un... Place-moi un repère. Mais non, pas sur le terminal. Sur la fleur. Bon bah, place-moi ça sur le terminal. On va essayer d'y aller. On va essayer. C'est pas garanti.
parce qu'on va encore se perdre en route, mais on va essayer de faire notre mieux. On redescend, on ressort par là où on est entré. C'est parti. On va essayer de trouver cette fleur, après on fera un petit peu de quête principale, hein, vous inquiétez pas, on va avancer. Toi, pourquoi tu veux me parler, t'as une quête ? Tu es déjà de retour. Tu as abandonné cette recherche inutile ? Alors, non. Je sais juste pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai oublié voilà. Entre temps. Approche. J'approche. Allez. Toi, t'as une quête. Toi, t'as une quête pour ceux moi. Ceux qui viennent du ciel, près de la rivière. Ils agissent comme des nuisibles. Ils s'incrustent où ils veulent, ils ravagent tout, puis ils s'en vont. Mais cette fois-ci, il n'y en avait qu'un. Seul, sur une petite île avec un grand arbre déraciné. C'est étrange, non ? Est-ce que nous leur avons donné plus de courage ? Seul, vraiment ? Est-il toujours là où tu l'as vu ? Oh, ce Totouté a vite compris. Après s'être fait chasser, il a commencé à s'enfuir en criant. Ça m'a bien fait rire. Mais quand même, qu'est-ce qui a attiré un Totouté dans cet endroit ? Je n'ai pas le temps de parler avec des étrangers. Et ben écoute, j'irai voir ça un jour peut-être. D'abord cette plante. Ma priorité. Let's go. Alors, on est à 500 mètres. Eh, c'est loin quand même. Mais je crois que la map, elle est vachement grande quand même aussi. En vrai, une petite monture, ça ferait pas de mal, hein. Moi, j'aimerais bien une petite monture. Ouais, attention quand même sur la route, hein. Il y a peut-être des méchants. Ne faisons pas les fous. Oula. Effectivement, il y a des méchants. Il y a des méchants qui m'ont vu en plus, je crois. On va peut-être s'armer. Mais non ! Inspecte ! Alors on va pas le tuer, on n'a pas de raison de le tuer. Hein. Nous on n'est pas comme ça, on tue pas les animaux comme ça sans avoir vraiment de raison. Une claque de graphisme. Non, franchement il est beau. Je crois que je me fais pourchasser. Non mais je te veux pas de mal, t'inquiète. Je ne fais que passer. Je crois qu'il est inquiet, ouais. Ça va, je ne fais que passer. Ok, je suis arrivée là où je devais pas arriver parce que c'est pas ça que je voulais cibler. Donc la plante, elle devrait être par là. Et elle devrait pas être très loin. En théorie. En pratique, c'est autre chose. Et à votre avis, il faudrait que je descende. Je peux pas zoomer plus. Elle a l'air d'être en face, hein. On descend ? On va essayer de descendre comme ça, tout en douceur, en évitant de se casser une jambe. Tout en douceur. Vous voyez qu'on peut monter là-haut ? Vous voyez qu'elle est là-haut, la plante ? Ah, ça ne m'étonnerait pas, en vrai. En vrai, ça ne m'étonnerait pas du tout. Ouais, on n'a pas trop regardé la carte, mais... en vrai, nous, on s'est déplacé là, par là. Et la carte, elle est juste immense. Voilà. On n'a rien fait de la carte. Ouais. Tout ça, c'est la carte, hein. Ça, je pense pas. Là, je pense qu'on est hors map. Mais ouais, c'est grand. Genre vraiment grand.
sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut qu'on monte. Que vous le sentez qu'il faut monter. Moi, je pense qu'il faut monter, non? Ouais, là, on passe sur la petite branche. Parce qu'en vrai, normalement, on est juste à côté de la plante. Là, je me dis que peut-être... elle est là-haut. Enfin, on va essayer de pas tomber, hein. Ça serait dommage. Voilà. Coutou. Ah, le coucher de soleil! Regardez ça, on n'est pas bien là? Magnifique! C'est quoi ce... Non, j'ai pas l'impression qu'il me fasse rebondir le champignon. Faut quand même pas que je saute! Il saute loin quand même les... Ouah, si, ça passe, il saute loin. Les navis, ils sautent loin. J'ai toujours l'impression que c'est trop loin, mais... Ça passe. Passe! Je vais tomber. Je veux pas tomber maintenant. Dites-moi que je ne fais pas cette ascension pour rien. Je ne veux pas tomber. Elle est là, la plante. Ah, faut manger. Attendez, faut manger. On mange un petit quelque chose. Voilà, on se remet bien. Ouais, lave-la, la plante. C'est ça qu'on cherche. Connectons-nous. Waouh, il a eu un peu de mal pour se connecter ou comment ça se passe? Extraction. Vous pouvez désormais utiliser l'extraction en appuyant sur R3 pour effectuer une attaque au corps à corps avec un AMP en étant en état de détresse. À cause d'une grenade incapacitante ou parce que vous avez piraté à l'aide du SID. Cela vous permet d'arracher de force une unité RDA de son AMP. Ok, du coup, ça l'arrache. Miaou! Coucou Carlette, comment ça va? Mais il faut d'abord utiliser une grenade incapacitante. Ou parce que je l'ai piratée. Ou pirater ou utiliser une grenade incapacitante pour pouvoir faire ça. Ok! Eh bien, écoutez, c'est une nouvelle compétence que nous avons là. Eh bien, on prend. Moi, ça va. Une cartouche a été... Ok. J'ai des points de compétence à mettre. Ça, c'est bien, les points de compétence. La survie, ça me parle bien. Augmenter de 50% l'énergie de base. Résistance au feu, poison et à l'électricité, ça peut être pas mal ça. Sinon, on a quoi d'autre? 15% aux dégâts des ennemis marqués. Deux fois plus de flèches. Ça, j'ai de mettre, j'ai mis des dégâts augmentés. Non, j'ai pas mis les... Vos dégâts de base, bah ça, il faut le mettre. Ça, les dégâts, c'est important. Quatrième emplacement dans la roue des armes, c'est bien ça aussi. Je crois que j'ai plus assez de points. Je crois que ça peut être bien. Ça, on peut le prendre. Allez. Voilà, on se met bien. Maintenant, au niveau des quêtes...
Lesnar se dirige. On va peut-être reprendre la quête. Fichée sur la carte. Ouais, c'est loin. Retirer le repère. Du coup, on voit plus la fleur. Alors ça, par contre, les fleurs, faudra vraiment les faire à chaque fois qu'on les voit. Ça, c'est important. Et ben, écoutez, on va se diriger vers la quête principale. Je pense que ça me paraît être une bonne idée. Par contre, faut tout que je redescende, vraiment. Ouais, sauter me paraît pas être une forcément très bonne idée. Je pense pas. On peut peut-être sauter là. Voilà, là ça passe. Descends un peu plus vite. Touché. Oh, bah voilà. Descente rapide. Fouillez, en plus il y a des trucs à récupérer. Oh, bah voilà, merci bien. Je prends. Hein. Je l'avais même pas vu, moi, Stolian. Trop bien, Stolian. Vous croyez qu'on peut descendre? Tac. Là, on va dire c'est bon. C'est tout bon, même pas mal. Alors, c'est par où qu'on va maintenant? Allez, c'est par là. Tu peux inspecter ce genre de choses? On inspecte. Inspectons tout. Et techniquement, la nuit vient de se coucher. Enfin, ou de se lever, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est bon. On va pas jouer sur les mots. Il fait nuit. Et on est reparti. Beaucoup de lumière, toi, petite fleur. C'est normal? Allons-y. Ça va, je commence à arriver un petit peu mieux à me repérer, non? Vous avez pas l'impression qu'on est quand même un petit peu moins perdu? On a réussi à aller jusqu'à la fleur, on l'a trouvé, on a fait l'escalade. Je suis fière de moi. Oh, professionnel. Ah oui, on devait apprendre à chasser, je crois, hein. Non? Excusez-moi les plantes, je ne fais que passer. Vous avez peur de moi, certes, j'ai l'impression. Il y a des trucs à ramasser là, non? Quelqu'un qui chante. Ça, on le sait maintenant, c'est des trucs à ramasser. Et une bébête aussi. Alors là, je ne sais pas si ça passe. C'est quoi ce brouillard qui se lève, qu'on voit plus rien? Bien sûr que si, ça passe. Et les navires, ils sautent à 20 km. Hein. Y a pas de problème. Ben ouais, mais j'ai pas de chocobo. C'est dommage. Bon, après, autre que le chocobo, il y a d'autres montures dans ce jeu. Et j'aimerais bien une monture, mais... Bon, moi, on est à pied. On marche. Un jour, on volera, moi, je vous le dis. Je vous le dis, un jour, on volera. Qu'est-ce que... Non, 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 non. Attends, j'ai même pas mon arc d'équipé. J'ai l'impression que je fais rien en dégâts. Hein. Mais non, mais laissez-moi tranquille. C'est eux qui m'attaquent, hein. Ouais, non, mais ils ont une espèce... Aïe! Ils ont une espèce de carapace.
Je vois leur point faible, il est sous leur ventre. Et pour l'atteindre, c'est pas évident. Ah, j'ai réussi à le tuer. Aïe. Attends, c'est de la petite bête. Hein. il est où? Bon, par contre, la question, c'est est-ce qu'on peut récupérer du loot? Bah ouais, qu'on les ait pas tués pour rien, quand même. Ah oui, c'est celui que j'ai tué, ça. Ouais, je me demandais. Ok, bah écoutez, ça nous fait de la viande et des... matériaux de fabrication de gants, apparemment. Attendez, ça se récupère, ça? Ça se récupère. Ok. Notre route. On peut reprendre notre route. C'est bon. On s'est fait attaquer, on a assuré. Il y a quoi à inspecter? Je sais pas. C'est pas grave. On aura de toute façon tout plein de choses à inspecter durant toute notre aventure. Faut pas s'inquiéter, on inspectera tout, on fera tout ce qu'il faut. On va assurer. Ça a l'air joli ici. Rex Overfly, coucou, comment ça va? Bah écoute, moi ça va. Répit du chasseur. Il y a des méchants là-bas. Il ne fait que commencer. Nous devons y aller. Bonjour. Ah, ça, c'est un panier de dons, ça, non? Vous voulez quoi? Répétition, votre mission de clan. Le clan coopère pour s'assurer que tout le monde a son entier. Je peux aussi contribuer. Ok, ok. Croc de loup vipère. J'ai pas ça, moi. Je peux pas vous donner ça, moi. Kanat a raison. Évite les conflits. Ah ouais, je sais pas. Je suis désolée, je veux bien vous aider, je veux bien vous donner ça, mais je n'ai pas ça. J'entends les cris des loups vipères. Ça, c'est pour fabriquer. Eh, ma quête, elle est où? Ça en fouille. C'est à qui qu'il faut que je parle? Il est où le mec à qui je dois parler? Bah pour le moment, de ce que j'en ai vu, ouais, moi je l'aime en tout cas. Moi j'aime beaucoup le jeu. Trop incroyable. Après, j'ai envie de dire, chacun son avis. Kanat sait que la guerre est une folie. Attendez, il est mort lui? Ah oui, vous l'avez tué. Attendez, mais il est où le monsieur de ma quête, moi? On est d'accord que c'était ici que je devais venir? Inspecte. Attendez, je vais m'éloigner un petit peu, mais mon objectif était bien là, non? J'ai perdu mon objectif. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que j'ai perdu mon objectif? Ah là, on le voit bien. Pourquoi mon objectif, il est là-bas? Bah allô? Pas disparaître ton objectif, hein. Comment je fais si tu disparais? Moi, après, je suis perdu. Salut. C'est Itou? Bonjour. C'est toi que je cherche. Ton Ikran est magnifique. Pour ma Zomei,
Aucun vent n'est trop fort, aucun défi trop grand. Nous chassons avec le cœur en harmonie. Tu viens nous admirer? Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Non, je cherche Itou. Ainsi, mon nom est parvenu aux autres clans. Même ceux qui se sont éteints. Laisse-moi deviner, c'est Nefika qui t'envoie. Elle veut que j'enseigne la barbe. Rester paisiblement à l'arbre maison à narrer des aventures aux petits. Que pourrait-il comprendre? Que représente le danger pour ceux qui ne l'ont jamais connu? Zomei et moi, on parcourt les cieux. Nos cœurs palpitants, nos sens en éveil. C'est l'adrénaline qui nous rend fort, intrépide. Nefika m'a dit que tu chassais les Stormbeasts. Je peux venir? C'est bien cela que tu veux? Tu es une bonne chasseuse? On ne m'a jamais appris. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez mangé pendant toutes ces années? Ton peuple a trouvé un endroit spécial où les animaux se laissent abattre paisiblement? Regarde, nos jeunes chasseurs s'entraînent d'abord sur des cibles. Entraîne-toi, ou c'est les Stormbeasts qui te chasseront. Ok, moi très bonne chasseuse. Le jeu se passe après les films. Alors, on est de toute évidence après le premier film. Et je sais pas si on est pendant ou avant le deuxième, mais on est à peu près au niveau du deuxième en tout cas. Viser les points faibles des animaux grâce au sens Navi. D'accord, point faible. Tu as choisi ta pire arme. Cherches-tu à te compliquer la vie? Ben j'ai approche. Pas d'autre arme. Ben, si, j'ai une arme à feu sinon, mais enfin... Pas mal. Au moins ton remerciement aura du sens. Mon remerciement? Vraiment? Comment vivait ton peuple? Quel genre de vie as-tu mené? C'est une longue histoire. Si je voulais écouter une longue histoire, je serais chez moi. Quand tu chasses, tu prends une vie innocente. Tu dois remercier le frère ou la sœur dont tu prends la vie et qui retourne auprès de la grande mère. Je te vois. Ton esprit retourne auprès d'Aiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Ainsi, tu lui permets de rejoindre ses ancêtres. Bien, souviens-t'en, et ne gâche pas les présents ainsi reçus. Les présents? D'accord. La peau, la viande. Tu sais quoi en faire? Ah, Nefika te montrera. Vas-y, tu n'as plus besoin de mon aide. Ouais, c'était rapide le cours de chasse. Fait épingler des animaux et des plantes mais pour obtenir des informations sur les emplacements où les trouver. Ça, c'est cool. Attendez, du coup, il faut qu'on fasse quoi? Chasser le soldat. Viser le guide du chasseur et la carte pour trouver. Chercher la piste. Ok, faut trouver de la bête à chasser. Du coup, il faut le guide du chasseur. Ok, guide de... des chasseurs. Vous pouvez obtenir des informations sur les événements que vous avez rencontrés, tels que les emplacements, variantes rares ou points faibles. Une fois que vous avez épinglé un élément, utilisez la carte pour combiner les informations et déduire où vous pourrez en trouver. En marquant un élément, vous pouvez le localiser à l'aide de vos sens Navi. Ok, du coup, c'est toi que l'on cherche. On l'a épinglé. Et donc... voir les écosystèmes. Utiliser la croix du haut pour visualiser les différents biomes de Pandora. Sélectionner un biome pour connaître les caractéristiques. Combiner les informations sur les écosystèmes. Ok. Ok. Et donc, bosquet, bambou, forêt,
Mais du coup, ça me dit pas vraiment où est-ce que je peux les trouver. Ouh, inspecter. Moi, je veux un piou-piou comme ça, hein. Je veux un écran. Ça, c'est peut-être l'odeur de ce qu'on cherche. Odeur de Strumbeef, ouais. Donc, faut suivre cette piste. Coucou Kai. Suivons la piste. Et nous trouverons ce que nous cherchons. Et nous allons le chasser. Tout va bien. Ça va pas bien, bah on va se faire tuer, mais bon, que voulez-vous. Eh. On va y arriver, non? On est des professionnels ou on n'est pas des professionnels? On suit la piste. On suit l'odeur. J'ai perdu l'odeur. Je crois qu'ils sont là-bas. Oh, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas qu'un. Okay. Salut le piaf! Lui était trop méchant. Lui, clairement, je crois, on n'avait pas le niveau. Ok, c'est pas grave. Ils sont juste un peu déplacés. Ils ont eu peur du gros piou-piou. Qui en soi est un petit peu normal. Il y en a juste là. Tu m'as pas vu. Tu m'as vu? Je crois qu'ils m'ont vu. Comment c'est possible, je ne sais pas, mais je crois qu'ils m'ont vu. En même temps, il y a du brouillard, on n'y voit rien. Discrétion. Je suis discrète. Montre-moi ton point faible. J'ai pas touché le point faible. Bon, ça va, il me charge pas, il s'enfuit. Faut juste les suivre. Faut vraiment que j'arrive à toucher le point faible. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Parce qu'il y en avait un qui me gênait. Sale point faible là qu'il faut toucher. Mais pourquoi? Bouge plus.
Bim! J'ai réussi! Bon, c'était pas très propre, mais ça fait. Je te vois. Ton esprit retourne auprès d'Eiwa. Et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Merci pour tes présents. Je vais me faire chasser. Aïe aïe! Aïe aïe aïe! Non, c'est pas bon! Je ne lui fais rien du tout comme dégâts. Mais si j'ai pu le faire fuir, c'est bon. Il a le cuir très résistant, lui, je crois. Hein? On va éviter de se mesurer à lui. Ok, mission accomplie. Maintenant, faut retourner où? Retourner à l'arbre maison. En vrai, ça pourrait être pas mal d'en chasser un deuxième. Non, on essaye de s'en faire un deuxième. Allez. Bon, juste une flèche dans le point faible, c'est pas suffisant. Mais c'est pas mal. Tout doucement. Pas que le point faible. Attendez, je le vois plus! Je crois qu'il y en avait un autre devant. Je peux tirer sur le bon. Montre-moi ton point faible! Toi. Mais non, pourquoi tu te retournes? Revenez! Concentration! Revenez! Mon arc, il fait pas assez mal, je crois, quand même. C'est lui, là, que j'ai commencé à taper. Faudrait que je le finisse. Si je pouvais avoir son point faible, ça m'aiderait. Excusez-moi, Jonas, je vous m'avais pas vu. Montre-moi ton point faible! Ah bah tant pis. C'est copain qui le protège. Il y a quelque chose qui m'a pris en chasse derrière par contre. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool! Faites pas attention à moi! C'est lequel que j'avais commencé à taper? Oh non, mais comment je me suis raté? Reviens! Prends ta dernière flèche! Ah bon! Il me faut clairement un meilleur arc, je crois. Merci pour ces cadeaux. Merci pour ces cadeaux. Merci bien. Bon, bah, c'est pas évident la chasse, hein. Moi, je récolte, hein. Je sais pas trop ce que je récolte, mais je récolte quand même. On ne récolte jamais trop.
n'a jamais trop de ressources. Ok. Bon, bah les copains, on va vous laisser. Nous, on va rentrer, voilà, à la maison, à l'arbre maison qui est là-bas. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles parties de chasse. On va peut-être d'ailleurs...